session farm. Une grosse session farm hier devant le live de Seed où j'ai monté toute l'équipe niveau 50. Donc voilà. Et que je fais le moins un truc safe state, ça crash. Ouais. Pas de bol. Inglench. Donc voilà. Il y a eu une évolution. Il y a eu des nouvelles attaques. Tout ça quoi. Très content. Bien adoré. Hop. La cam pouvait tenir droite. Est-ce qu'elle peut? Elle peut. Pas mal. Stylé la team. Ah ben là, ça a bossé, hein. Ça a bossé. La reine était où? Là ou l'autre côté? Je sais plus. Elle était là. Bon, logiquement, ça devrait bien se passer. Il devrait plus avoir de galère. Et ça, c'est pas mal. Je sais pas si on va stream très longtemps en vrai. Je sais pas si on va stream très longtemps. Sid il était censé stream ce soir je crois. Ou pas. Non il avait dit l'après-midi donc je sais pas. Je sais pas. Donc en tout cas on va essayer d'avancer et puis. Voilà quoi. T'as pris une attaque glace sur ton Aquaquack? Non. On bosse ce soir, ouais, je sais pas, il devait stream cet après-midi. Mais... non, il n'y a pas d'attaque glace. Mais je sais pas si j'ai une CT. Lui, il a rien appris, lui, pour le coup. Est-ce que j'ai des CT? Est-ce que j'ai de la CT sous le coude? Repos, flash, force, traction, tune, échange, carabouement, pied, ça. J'ai rien. J'ai rien. Ouais, oui, si, si, point glace, je pense qu'il peut la prendre, hein, mais. Je n'ai point la city. Bon, c'est parti. On va y aller comme ça à l'arrache. On va y aller avec. Avec le faux dragon en tête. C'est bonne chance, hein. On va y aller avec le faux dragon. Parce que je suis désolé, c'est le pire dragon de France. Hein. Draco souffle, Draco queue. C'est pas Draco queue, c'est pas mal, non? Je sais pas. J'ai plus. Je. Ah, eh. C'est pas mal, les mecs. Ah, c'est devenu quelqu'un ce faux dragon, hein. Ça te fait taper en dernier. Aïe. Aïe. Ok. Salut Groot, comment ça va? Tu sais quoi, on va essayer à quoi, quoi. Libre queue. Bonne journée terminée. Eh ben écoute, tu as passé une bonne journée. C'est l'essentiel. Ouais, écoutez, en vrai, ça va. Hein. Bonne journée aussi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc allons-y, quoi. Je me suis dit un petit stream. Vu qu'hier j'ai full XP. Tranche. Tranche c'est. Tranche ça laisse pas. Ça laisse pas de doute. Hein. On va voir au pire on revivera Libégon. Vu que Dragon est fort contre Dragon. Roche. Je sais pas si ça fait du dégât ça. Il est juste dragon lui ou il est dragon sol? Il a pas d'aile donc il doit être dragon sol.
Elle est pas mal ma logique hein. En tout cas il est cané. Dragon tout court. Petit lance-flamme pour voir. Telluriforce. Ça, ça peut me canner ça. Ça, ça peut me Guillaume canner d'un coup. Oh, il résiste. Ok. Je crois qu'on va le first try, les gars. Je crois qu'on va le first try. Hein. C'est bien parti pour, en tout cas. Bon, à mon avis, j'attaque pas en premier. Ah, la petite hyper popo. Et j'attaque en premier, là. Un petit crit. Même pas. Tranche, il va me tuer. Ok. Ok. Viridium. L'âme sainte. Et c'est Terminado. Let's go. Et merci, le farm qui n'aura pas servi à rien. Ça, c'est stylé. Prodigieux, je suis reconnaissant d'avoir pu te rencontrer et livrer un tel combat. Grâce à toi, je me suis souvenu du véritable sens des combats Pokémon. En alliant ses forces à celles des autres, il devient possible de surmonter toutes les difficultés. Let's go! C'est bon, ça! Et il ne manque plus qu'un badge. Draco queue. Ouais. Retrouvons-nous dehors. Il va stepper le bug. Putain, y a rien pour me ramener comme dans les autres arènes. Même pas un petit TP. Les bâtards. Hop. Allez, on décale. Je veux bien te donner la peine de me suivre jusqu'à ma demeure. Bah ouais. Mais c'est où ta demeure, frère? Il habite où le bug? Il habite là? Il habite pas là. Oh, t'habites moi frère. Malade lui. Par ici. Ok. Nous y sommes, entre donc. L'appli kick c'est moins pire qu'avant, mais il y a toujours des bugs chiants. Putain, moi j'ai plus aucun bug les gars depuis la base. Trop bizarre hein. Il y a 2 ans, 2 Pokémon dragons se sont éveillés d'un long sommeil. Zekrom, le dragon noir, en quête de l'idéal conduisant vers un monde d'espoir. Et Reshiram, le dragon blanc, en quête de réalité conduisant vers un monde de justice. Ces 2 dragons, à l'origine, ne formaient qu'une seule entité. Quelle est la cause de leur séparation, me demanderas-tu, le dragon des origines? Je voulais apporter son aide à 2 héros, 2 jumeaux, afin d'établir les fondations d'Unis. Hélas, l'un des frères poursuivait des buts bien différents. L'un l'idéal, l'autre la réalité. Chacun étant assuré de la justesse de ses vues, décidèrent de s'affronter pour s'imposer à l'autre. Unis fut déchiré en 2 camps dans une lutte fratricide. C'est alors que le dragon noir et le dragon blanc firent leur apparition. Pourtant, idéal et réalité ne sont pas destinés à se dresser l'un contre l'autre. Bah oui, totalement. Moi, quand je suis vite entre les streams. Entre le stream et le stream en petit, 1 coup sur 2, j'ai écran noir. Ah ouais? Trop bizarre, mec. On suppute aussi qu'un 3e dragon serait né à la même époque, Kyurem. Ok, donc c'est la première fois qu'on entend parler de Kyurem, en tout cas, où on nous cite son nom. Ça, c'est pas mal.
D'après les recherches du professeur Keteleria, la preuve en serait le trésor que ma famille se transmet de génération en génération. Le pointo ADN. Il est constitué de deux mêmes matériaux rares que ceux utilisés dans la tour Dragospir et daterait de la même époque. Je veille jalousement sur le pointo, même si j'en ignore les propriétés exactes. Quant au troisième dragon, Kyurem, s'il existe vraiment, nous n'avons aucune idée de sa nature. Était-il déjà présent lorsque les deux dragons se sont séparés? Est-ce qu'il ne constituerait pas une coquille vide, une excuvie animée, dirait Arty? C'est la théorie que je privilégie. Un tremblement de terre! Mais qu'est-ce que... ce bruit? Ok, ok, je vois. OMG, la déesse qui crache ses poumons, les derniers. Petit screen pour la minia. C'est important, les mecs. C'est important, les mecs. Ah oui! On est sur une destruction totale. Après, ils visent pas les bâtiments. Grand seigneur, les mecs. Ou alors, c'était trop compliqué à modéliser. Destruction de bâtiments. Mais ça, c'est appareil. Tout est gelé. Tranchodon, Dracoqueux. Merci, Tranchodon. Enfer, même pas une égratignure à la surface. N'est-ce pas fort piquant? Mais tu étais dans le palais de haine. Quel froid mordant, je ne peux pas m'empêcher de trémuler. Mais si je souffre, c'est donc que je vis. Qu'ai-je besoin d'autres preuves de mon existence? Le voilà, le gage de mon être. Assez discouru. Admirer la puissance divine de la science, le souffle séraphique de la Team Plasma développe d'une gange adamantine, inaltérable, immarcessible, manteau de givre, immarcessible, je connais pas ce mot, tant qu'il sera nôtre. Oyez donc nos conditions, Seigneur Watson, cédez-nous, incontinent, le pointo ADN, car quelle cité mieux que Janusia, où passé et futur se mêlent, peut plus dignement receler. Receler ou receler? Receler. Receler. Ah non, c'est pas le même mot, receler. J'ai cru que c'était du recel, là. L'antique épissoir. Après les horreurs que vous avez commises il y a 2 ans, crois-tu vraiment que ta quête fasse sens? Oh, vous voilà bien, difficultueux. Non, mais lui, je peux plus me le voir, hein. Vraiment, lui, il faut qu'il canne. Hein. Difficultueux, frère. Qui a déjà prononcé ce mot dans sa vie? Notre longanimité vous autorise un sursis avant que nous frappions avec la mort blanche une seconde fois. Une courte recherche nous appelle, même si fort inconfortable dans ce glacial hiver. Là, lui, faut le canner, hein. Les monstres, je vais leur apprendre la politesse. Young, j'ai besoin de ton aide. Faut débarrasser Janusia de la Team Plasma. Go. Oh. Attendez, d'abord, je vais me soigner. Bon, dans le centre Pokémon, tout va bien, rien n'a changé, hein, les mecs. Ils auraient pu faire une petite ligne de dialogue un petit peu alternative. Que se passe-t-il dehors? Bon, c'est pas grave, nous allons quand même soigner vos Pokémon. Non. Ah non, Game Freak, jamais. Jamais évoquer ce qui se passe dans l'histoire. Ça rajouterait un petit peu de codage en plus. Occupe-toi des autres. Ah oui! On est là-dessus. On est sur une route de victoire, là. Ok. Allez, c'est parti. Un miradar est envoyé. Miom miradar. Pour la musique.
Tellurie Force. Bless. Tellurie Force. Pas vu comment... Ouais, il a deux Pokémon, je crois. Rotad Morve. On va changer, hein. On prend le roi de ce monde. Ok. Un mec en bas. Je me suis fait battre. Ok. À mon avis, par là-bas, il n'y a plus rien. Faut monter. Let's go. Let's go. Un Nosferalto. Et on sait pourquoi. C'est une logique implacable. Et ils se demandent pas pourquoi, ils se disent pas que leur cause du coup elle est pas noble. Ah mais pareil mec. Miasmiax, Miasmiax. C'est quoi Miasmiax, c'est poison? Je sais pas ce qui est fort comme poison. Je sais pas, on va lui cramer le cul, bonne chance. Psy. Ah oui, parce que quand t'es... quand t'es empoisonné, t'as besoin d'aller voir un psy. Logique. Ah, logique. Sol. Ah oui, parce que quand t'es empoisonné, t'es au sol. Logique aussi. Niveau 51. Très content, bien adoré. Et c'est Pliette. Bon, je pense pas qu'il soit dans les bâtiments. Faut pas déconner non plus. Moi je deviens pas au sol quand je suis empoisonné, mais chacun son délire. Exactement, mec. Chacun son del. C'est vipère. Franchement, la 5G sublime tellement les sprites. C'est une dinguerie. Hein. Jouer à une 5G++. C'est vrai que déjà je joue à une 5G2. Et en plus je joue sur une plateforme qui m'arrange. Mais ça c'est après. Ah putain, je pensais que ça le finirait. Terminado. Petit pigon sur le PlayStation Network. Connecté toute l'année comme le PSN. Mon fort freeze. Cacac boum boum Bayonetta.
Alors, est-ce qu'on a été partout? Pense qu'on a tout fait, non? À reparler au Vioque. Il ne reste plus que cette fripouille de... L'arène. Oh putain, il est dans la... Il est dans l'arène, le con. Ce bon vieux Lilien. Ok. Bah j'ai bien fait de me heal, je pense. Il a combien de poké? 3. Ça va, je pense. Ok, donc lui il est que glace. Mais pas glace acier. Mais c'est... En fait c'est à cause de son sprite hein. J'ai l'impression qu'il est qu'il a à moitié glace, à moitié acier. Exagide, exagère, t'exagères là. Je crois que ça existe. Enfin, ça pourrait être stylé en vrai. Hein. Enfin, je sais pas en termes de strat, mais en tout cas, en termes de double type, je trouve ça bien. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, mais bon. Est-ce qu'on va demander mon avis? Peut-être pas. Mur lumière. Non, dommage, 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 dommage. Il me tue pas là. Il me tue pas, jamais il me tue, impossible. S'il a un troisième exagèle, je me heal, sinon je switch. Un Dimoré. Un Dimoré. Quoi, ces ténèbres glace? Pas frère. Je sais pas, j'ai envoyé Viridium au pif. L'âme sainte, bonne chance. Giga Sensor. Ah, mais il est plante. Je suis plante, je suis con. J'ai oublié qu'il était. J'ai oublié qu'il était plante. Combat x4. Comme quoi je piffe beaucoup mais je piffe bien. Admirable dresseur, ton habileté à sublimer le talent de tes pelucheux compagnons est évidente. Fort bien, nous nous retirons face à ce frein intolérable. Et médite cette image, une is drapée d'un linceul de glace. Voilà le futur qui vous attend une fois l'artefact en notre possession. La blette d'Alola. Tu as sauvé la ville. Mérite mes plus vifs remerciements comme ton équipe. Ce n'est pas grand chose, mais laisse-moi au moins la soigner. C'est vrai que c'est pas grand chose. Reste ici, je reviens tout de suite. Le pointeau ADN. C'est vraiment une chance que la team Plasma n'ait pu mettre la main dessus. J'ignore encore ce qu'il comptait en faire, mais... On peut supposer qu'il ne s'agissait de rien de bon. Oh non, les ninjas! La fin justifie les moyens. Contrairement au seigneur N, nous ne pouvons pas conquérir le cœur des humains. Nous avons encore la force pour les faire plier. Que ces deux années furent longues. Donc là ils me l'ont volé là. Sans que je puisse rien faire, ils me l'ont volé. Merde, il était là le trou.
sont toujours là, aide-moi à les retrouver. Où ces trous de balles? Putain, l'anime d'entrée en combat, incroyable, c'est TP le mec. Un vrai ninja de Konoha. Slam, on est dans un raid Terra Crystal là. Il me fait lui. J'ai éboulement, ça devrait être fini. Hein. Merde, j'ai pas vu qu'il envoyait. Scalpion, parfait. Parfait. Young, il y a un bateau louche à Janusia et il vole. Oui, j'ai vu, je me dirige vers la ville. Cheren, tu crois que c'est le bateau des escrocs? Aucun doute. Nous en aurons rapidement le cœur net. Je suis presque arrivé. Je te fais confiance. Young, s'il y a un souci, tu m'appelles, ok? Pas trop que c'est le patron, lui. J'avais le don d'ubiquité, je pourrais poursuivre ces bandits et protéger la ville. Young, Watson, vous êtes sain et sauf. Cheren, c'est bien toi? T'as gagné en assurance et en carrure, dis-moi. Tu es devenu le champion d'arène de Pavonnet, c'est bien ça? Merci pour les compliments, mais trêve de civilité. À savoir où se trouve la team Plasma. On révèle une température anormalement basse tout près de Papeloa. Je pars enquêter là-dessus avec Matteo. Watson, vous pouvez rester vous occuper du sauvetage de Janusia. Très bien, je reste sans hésiter, je compte sur vous, mais surtout pas d'imprudence. Donc, on aurait vraiment besoin de ton aide dans la partie de bras de fer que nous engageons avec la team Plasma. Nous ne serons pas de trop de 3. Pas trop de 3. Dresseur de talent. Souhaitez-vous une bonne chance. Ok, hein. Au nord de Vaguelonne. Ok. Bon, malheureusement, j'ai pas... Vol. Attends, mais vol. Libégon, il peut vol. Là, il peut vol. Ok. Donc. Putain, il y a de la glace. Ah ouais, ils ont mis de la glace partout, les mecs. Vol. Et du coup, c'est au nord de Vaguelonne. Haute littorale, Papeloa. Donc c'était par là? Ouais. Young, t'es où là? Vaguelonne? Ok, tu passes par l'aquatube et on se retrouve à Papeloa, ok? Par l'aquatube? Bah, c'est ça l'aquatube? Ok.
Ok. Wouah! Oh, c'est giga stylé! Ah, mais là, la déesse. Tcha! Excusez-moi. Oh, mais il y a même des Pokémon! Inviscus! J'ai touché le fond des mers! Un milieu sous les mers, bah oui, bien sûr. Oh, regardez-le! Un Bargantua! Bon, il n'y a que deux Pokémon, mais. L'intention y est. Voilà, si on était sur Switch, ça aurait été un peu plus. Mais ça, ils peuvent plus le faire. Ça c'est impossible sur Switch. Les... Passade. Très bien. Toi ADN, on va le récupérer, fais-nous confiance. Faut d'abord que tu mettes la pâtée au champion. Ah ouais, comme ça, direct. Direct to you? Bah moi je dis allons-y quoi. Il est parti nager en criant la mer. La mer de qui? Comment ça, la mer? Aucun souvenir de cette ville. Bah, je peux te dire que dans Noir et Blanc, elle y est pas. Ok. Bah allons-y quoi. Il a dû partir par là. Hein. Je crois qu'il y a que par là. Hein. On va juste claquer. Il faudrait que je mette Magnézone en tête. Où est Lord? Oh putain! Oh putain! Oh il est là! Oh putain! Sympa le mec. Ça dégage. On va faire comme ça. Raid. Dégueulasse ce Pokémon.
Et barbé. Il est où ce trou de balle? Je sais pas si c'est par là, mais bon. J'imagine que oui. J'imagine que oui. Donc. Putain, il va avoir des Pokémon de combat. Oh, un Crabarak. Attends, c'est quoi? C'est sol, ça? Non, c'est roche. Roche sol? Au sol? Au sol. Bonne chance. Non! Ah, c'est parce qu'il a fermeté. Insecte. Insecte roche. Bien vu. Non, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est crade. C'est crabarak, quoi. C'est un crade. Donc. Non, mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais. Non, mais. Vu comme ça, vu comme ça. Vu comme ça. Aller à gauche. Non. Attends, c'est pas les trucs éclatrocs ça? Non. Y a pas les petites fissures dessus. Quack, quack. Allez, viens là. Attends, non, il faut siphon là? J'ai pas siphon. On ne dit pas qu'il faut siphon. Je crois qu'il faut siphon. Attendez, je regarde juste un truc. Clac, 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 clac. Deux secondes, les gars. Ouais. Tac, tac. Où est Lise? Ah non, il faut pas siphon. Putain, j'ai vu des tourbillons, j'ai cru qu'on y était, quoi. Putain.
ça va, il a de la flotte. Du jus. Ok. Tout le monde est en forme, viens quand tu veux. Donc là, il faut se taper la grotte là. Taper la grotte pour arriver à droite, c'est ça? Bon, je pense que dans la grotte, on va switch. On peut peut-être tenter à quoi. Ils ont des trucs sol ou roche ou des conneries comme ça. Je ne sais pas. On va vite voir. Scarino. Le boss final quelque part. Hydroqueue. Ok, j'évite l'attaque. Oh, il évite aussi. Bon, on va peut-être mettre le starter en tête finalement, tout compte fait. Tout compte fait. Par contre, je sais pas du tout où faut-il aller. Par là. Ok. Je pense que le mieux c'est de switch hein. Pense que mieux c'est de switch hein.
Hydro-queue. Ah, ça le tue pas. Dommage. Désolé pour le notif, les gars. Excusez-moi. Hein. Bekika. Eh. Ok. On va le soigner. On va voir. C'est peut-être un fight, hein, je sais pas. Juste le soin. Putain, ma manette s'est éteinte. Ça fait combien de temps que je l'ai pas rechargé? Ça fait un mois, je crois. Et voilà. On y est. On y est. Ah, oh, putain. Depuis Temtem, hein. Depuis à l'époque. Par contre, où est le câble? J'ai foutu le câble. Ça, c'est à pas. Elle. Ah. Hop. Tac. Ça va pas cut la cam. Ok. Ok, 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 ok. Pareil, c'est même pas un fight. C'est bel et bien un fight. Donc ils ont tous fermeté, c'est ça? Il a parlé de pied ferme. Ah merde, c'est lui en first. Est-ce que je peux faire un truc genre lance-flamme? À mon avis, non, mais bon. Non, mais oui. Non, mais oui, quelque part, comme le Pokémon. Lui, hein. Enfin, ils ont tous fermeté du coup, je pense. Pop à cogne. Ah, je sais pas, lance-flamme, ça marche bien. Cogne. Lance-flamme, ça one-shoté. Sur la, ça one-shot le premier, donc. Combat. Ah ouais, parce que c'est de la merde, cogne. Voilà pourquoi. Ça tape que deux fois, putain. Quelle bouse cette attaque aussi. Ça bypass fermeté. Ah. Eh. Pas bête. Ah, lynx, le lynx. À vous. J'avoue. T'es smart, toi. Allez. Bah ouais, ça revient au même, tellement c'est une merde, ce mec. Ça revient au même. Putain. Seulement, ça tapait plus fort. C'est Rinsax aussi. Bah ouais. Quel talent. Bonne chance. Ok, mon poste.
sais pas où on va, mais on y va. Hein. Mais bon, c'est Pokémon, donc si c'était pas la bonne route, on serait bloqué. Quelque part, c'est un peu ça le charme, bien sûr, des RPG d'à l'époque. Que c'est vilain. Que c'est vilain. C'est vilain et c'est naze. De loin comme ça, limite on dirait un Angry Bird. Putain de piafton. Je vais siester un peu sur un sax. La bonne sieste, mec. À plus tard. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il branle là, lui? Vaglone. Et quoi? Nani? Ma théorie qui tombe à l'eau? Nani? Comment ça? Putain, fallait aller à l'est. Je pense. Mais non, à l'est, c'est pas. C'est par là qu'on arrive, non? Non, même pas. Comprends un peu, là? Par là, ah mais là il y a la mer. Ah là il y a des ok. Ok bah en fait j'ai fait tout ça pour rien, mais bon c'est pas grave hein, on aura pris un petit peu de pex. Ok. Non mais écoutez, c'est de ma faute, je n'ai pas été regarder ce qu'il y avait. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait ailleurs. Hop. Est-ce que c'est des dresseurs ça? On se croirait presque à Alola. Et quand on fera la 7G, faudrait qu'à chaque partie de vidéo je dise Alola, comme dans le jeu. Comme Sid il avait voulu faire, mais il s'en était rappelé que pour une partie. Il avait fait que pour un épisode. Et on va le faire. Dire on est back pour la suite. On dira Alola. Alola les amis. Et pour le RP, c'est un RP les gars. C'est un RP. Bon, on se tire. Je sais pas par où ni comment, mais on se tire. Moi je sais comment. Je sais comment. Comme ça. C'est pas mal. Ah, est-ce qu'on cut ici la VOD? Oh, on va tirer un petit peu la VOD jusqu'à l'arène. C'est pas grave. Il y a déjà des vidéos jusqu'à mi-octobre là. On peut faire des parties un peu plus longues. Comment ça? Fraîche comme d'hab. Dans l'arène, il faut monter les nénuphars géants pour glisser sur l'eau.
trop bien. C'est de la merde. C'est de la merde, mais on aime bien. On aime bien quand même, les mecs. Juste t'es flou. Hydroque. Ok. Et toi, Johan? Oh, c'est Jorian. Il y a un truc qui se passe. Moi j'aime bien l'ambiance de cette arène. Tranchemang. Par contre la dernière arène c'est une type eau. J'aurais quand même mis l'arène eau avant l'arène dragon personnellement. Mais après ça sert pas. T'es pas chez toi ici. Tu respectes les gens. Faut savoir que les Thaïlandais sont très racistes envers nous. Voilà, c'est pas là. Je pense qu'il faut il va falloir enlever le multipex. Je crois que c'était Janusia 90 90, 120 80. On va mettre ça. Ah, pareil. Bah, ça me semble plus logique. En tout cas. En tout cas. Okay. Ah, et si je vais comme ça, ok. Alors, je pense qu'il faut simplement aller par là. Sauf si on veut se taper le mec du milieu, mais bon, flemme. Ici en haut. Pas mal, j'aime bien, franchement j'aime bien. Il y a une petite ambiance, nénuphar, feuille de pigne. Ambiance Minecraft quoi. À l'époque. Bon, j'aurais pas assez de pay. Je pense qu'il va falloir retourner à l'arène. À l'arène, au centre. Ok.
Staros. Ah ouais, je voulais virer le multi-ex de... D'Aquaquac. Et que je le mette sur Branett, parce que je pense que c'est celui que j'utiliserai que situationnellement. En vrai... Ça serait mieux. Ok. Et là, du coup... Enzo. Ou les lec. Si j'en aurais, ouais, j'en aurais pas assez, mais bon. Un sel. Ok. Je pense que je vais le heal, sinon après ça va être chiant avec les autres. On va le heal, bonne chance. Ce qui manque quand même dans ce jeu, c'est un heal qui remet les PP aussi. C'est pas ça. Genre une maxi giga potion. Tu soignes, hop. Et tu remets les PP. Comme dans un certain jeu, mais bon. Ça, c'est autre chose. Les lecs, hein. Damocle. L'épée de Damocle. Ah, tu m'aimes pas! C'est une blague. Un joke. Oh, une crit, le con. Azumarill. Bonne chance. Putain de lapin. Non. Oh, sale para. Il y a un monde où... Oh putain, il y a un monde où je le tue. Avec un PV. Incroyable. Incroyable. Eh ouais, les mecs. Trop de talent, trop de talent. Ok. Je suis softlock là. Faut de baiser là. Je crois que je suis softlock. Ah. Ah. Je peux aller qu'à gauche à droite et là je peux aller qu'à gauche à droite en haut. Ah non, je peux aller en haut. Pokémon n'aurait jamais fait ça. J'ai la flemme de revenir au centre. Flamme, je le soigne, mais il servira à rien. Petite huile là. Pas d'huile. Comment ça, j'ai pas d'huile? Ça m'aide pas cette histoire. J'ai pas d'huile. Je vais pas claquer une élixir quand même.
Bon, bah écoutez, je pense que ça va quand même passer, même si on n'a pas notre attaque la plus puissante. Je pense que ça passe quand même. Et puis allons-y quoi, moi je dis allons-y. Hein. Hop, ok. Méga Pagos. Il arrive à para. Oh. Sauvé grâce à la fermeté. Ça devrait le faire. Hein. Même comme ça, ça devrait le faire. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Bah, c'est en cours de projet là. Oh l'hyper popo. Bien joué, bien joué. La para. Et c'est bye bye. Un Waylord. Putain, ça sent la graille. Les voisins, ils font encore un barbecue sur le balcon du bas, là. Bon, on a bien fait de pas dégager. Et il est para. Incroyable Magnézone qui va remonter dans mon estime hein, au final. Hein. Bon, graphiquement, en termes de design, c'est toujours une saloperie. Mais. Il y a un mais. Il y a toujours un mais. Et voilà le dernier badge, les amis. Tous les badges. Tu as 8 badges. Ébullition. Ouais. Tu pouvais me suivre. Ah, techniquement, je pourrais, mais. Mais non. Ok, on a tous les badges. Je vais cut la VOD ici, du coup. On va quand même sortir, voir s'il n'y a pas un truc qui nous attend. On connaît Pokémon. Ouais, voilà. On connaît Pokémon. La ligue a qu'à bien se tenir. D'abord, on va mettre une raclée à Team Plasma. Les petits bails de la Team Plasma. Mais c'est pas. Hop. Quand on vit au bord de l'eau, on n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là. Ce sont littéralement des gouttes d'eau dans l'océan. Vous pensez que la Team Plasma, ce sont des sales types? Oui. Vous les combattre parce qu'ils sont méchants. Mais ça, c'est juste ce que vous me racontez. C'est difficile de se baser sur un seul son de cloche, vous savez. C'est pas tout ça, mais j'ai affaire. Il a l'esprit ouvert ou c'est juste un je m'en foutiste? Je me laisserai pas décourager. Les types de la Team Plasma sont nos ennemis. On ne peut pas laisser tomber. Mais d'abord, il faut les retrouver. On a qu'à se séparer. Toi, tu prends la route 22, ok? Ok, mon pote. Eh ben, écoutez, c'est sur ce que je cut la VOD ici. Des bisous YouTube et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.